Bonjour à tous, je suis Xavier, animateur au Jardin des Plantes, et je vous propose aujourd'hui un petit atelier à faire pour petits et grands, où il va s'agir d'imprimer des empreintes de feuilles sur des tissus. Donc pour ce faire, quelques matériels quand même, quelques ustensiles. On va prendre une table ou un support suffisamment costaud. On va prendre alors une petite protection, hein, ça va être une plaque en plastique, ça va être un vieux calendrier par exemple, du tissu, du lin, du coton, ça marchera très bien. Vous avez également donc la nécessité du marteau, pas trop lourd, ça sert à rien. Et donc des échantillons de feuilles, des feuilles qui sont plus ou moins riches en tanins. Donc pour ça, vous avez notamment, pourquoi pas, des feuilles de mûrier, des feuilles de rosier, vous avez des feuilles de d'armoise par exemple, et puis vous avez des feuilles de fougère, mais ça marche aussi avec des feuilles de frêne, des feuilles de noyer, il y en a comme ça un certain nombre. On va revenir tout à l'heure sur le pourquoi de la chose. Donc le principe du jeu, c'est simplement de prendre des échantillons de feuilles et de les appliquer sur les tissus. On le rabat par dessus bien à plat, et ensuite avec le marteau on va simplement taper dessus. Alors ça sert à rien de taper comme un sourd, hein, juste des petits coups répétitifs. De cette façon on voit apparaître le dessin de la feuille, donc que l'on retrouve ici. Donc on a toujours un effet miroir évidemment. On enlève le reliquat, hop, et donc on a déjà une petite la composition qui commence à apparaître, qui va donner ça au final, hop. Donc voilà, là on retrouve par exemple les fameuses feuilles de fougère qui sont ici, des feuilles d'armoise. On a même fait des tests avec des feuilles de géranium, des fleurs pardon, de géranium vivace. Et donc voilà, vous pouvez vous arrêter là, ça donne une composition qui est déjà intéressante. Néanmoins, avec le soleil par exemple, et bien ce décor va finir par disparaître, va finir par passer au soleil. Donc si on veut fixer les formes, et bien d'où l'intérêt des feuilles à tanin, on va prendre ce tissu, on va le baigner dans un jus de fer, donc de l'eau avec du sulfate de fer par exemple, et on va le laisser quelques minutes à l'intérieur. Ensuite vous le rincez avec une eau savonneuse et vous allez finir par avoir cet échantillon là c'est à dire voilà, les feuilles de fougère, le tanin ressort comme de l'encre, et là lui reste vraiment fixé sur le tissu, et là voilà, vous avez une composition qui va rester plus durablement. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer au Jardin des Plantes. Nous avons une jolie vitrine dans l'entrée des serres qui est ouverte tous les après-midi, qui vous parle un petit peu plus des plantes à teinture en général, et notamment de cette technique du martelage. Voilà, bon atelier et à bientôt.